Depuis 4 jours, des femmes, des jeunes manifestent à Kidal, une des villes du Nord Mali, contre l'application de la charia par le groupe islamiste Ansardin. Sur ces images datant du 7 juin, on peut voir des drapeaux du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, ce qui indique que les participants sont favorables à l'indépendance de cette région. Mais d'autres manifestations de femmes ont eu lieu les jours précédents et certains interlocuteurs estiment que leur mouvement a été récupéré par le MNLA. Elle se révolte contre et le MNLA et Ansardin. Je viens juste de parler avec le responsable. Et aujourd'hui, elles sont privées de leur liberté. Le MNLA réclame l'indépendance. Ansardin demande aux femmes de ne même plus ouvrir leur boutique. Il demande aux jeunes de ne plus fumer, de ne plus regarder la télévision. Donc vraiment, c'est une situation de détresse. Ce qui est sûr, c'est que les populations du Nord Mali n'en peuvent plus de vivre sous la coupe d'un groupe fondamentaliste comme Ansardin, prônant un islam d'un autre âge. Et sur ce point, elle se rapproche des positions du MNLA qui se présente comme laïque et démocratique. Selon divers témoignages, des accrochages auraient même eu lieu à Kidal entre Ansardin et le MNLA suite aux manifestations de femmes, mais le représentant de cette organisation en France a démenti catégoriquement ces informations. Contrairement à beaucoup d'informations qui sont en train de circuler sur des agences en Europe, c'est qu'il n'y a pas d'affrontement, ni entre le MNLA et Ansardin, et encore moins entre le MNLA et un autre groupe. Pour autant, les relations entre le MNLA et Ansardin ne sont pas au beau fixe. Un projet de fusion entre les deux groupes avait été engagé au mois de mai, mais il a échoué en raison d'un désaccord sur l'application de la charia.